Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis assez content de faire parce que là on a enfin des trucs à vous montrer, des trucs intéressants par rapport aux poupées hantées, de ce qui se passe. Alors là j'étais tranquillement en train de faire le montage sur l'ordinateur, le montage de la vidéo qui normalement elle est déjà sortie là quand vous voyez cette vidéo sur Pinkly Vidéo, sur la chaîne principale. Donc c'est une vidéo qu'on a fait sur cette poupée. Donc sur cette poupée hantée, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire ou qui n'ont pas vu la vidéo, c'est Massilia et Papa, donc c'est des amis youtubeurs qui nous ont envoyé cette poupée pour nous piéger. Parce que cette poupée en fait elle les embête chez eux, elle fait des bruits, elle leur donne des trucs à faire, des missions, des trucs comme ça. Et en fait ils nous ont envoyé cette poupée, mais bon, ils nous ont pas dit que c'était eux, tout ça, ils nous l'ont envoyé pour nous piéger. Mais bon, nous on a su directement que c'était eux parce que bah voilà, on est malin et tout. Sauf que là j'étais en train de faire le montage et d'un coup j'ai vu qu'elle s'est mise à bouger. Et d'un coup mon ordinateur il s'est éteint et tout. Donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé, j'ai pas trop suivi. Et après j'ai regardé la caméra de surveillance, donc qui est sur l'ordinateur, qui est juste là. J'ai regardé ce qu'elle avait enregistré. Et pendant que je faisais le montage, elle a pas arrêté de bouger. Attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Regardez, la poupée je l'avais posée là quand on avait fini la vidéo, quand on a fait une vidéo sur elle. Voilà, je l'ai posée ici exactement. Et pendant que je faisais le montage, sans que je le voie, elle est allée ici sur le petit fauteuil. Elle s'est déplacée comme ça et d'un coup elle est venue se poser là. Et moi j'étais en train de faire le montage et d'un coup j'ai sursauté à fond parce que je l'ai vue. Et là il y a une lumière rouge, la lumière rouge qui est là, qui s'est allumée d'un coup. Donc franchement je sais pas ce qui se passe. Et je pense que je vais devoir prévenir Lily Rose et Peppa Pink pour essayer de faire une enquête sur ça. Et je pense que je vais prévenir aussi Massilia et Papa, là, nos amis youtubeurs, parce que c'est pas normal ce qui se passe. Moi je pensais que c'était que pour les vidéos, que la poupée se mettait à bouger, tout ça, que c'était pour de faux. Mais là franchement j'étais ultra étonné. D'un coup la poupée elle se met à bouger. Et regardez, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il n'y a pas de... je sais pas. Franchement j'espère qu'elle va bouger en vidéo, ça sera trop bien. Lily Rose, Lily Rose, vite dépêche-toi, viens. Parce que ouais, il faut que je prévienne Lily Rose quand même. Parce que là il doit être, je sais pas quelle heure il est, il doit être 18h et tout. Donc elle doit faire ses, elle, à mon avis elle doit faire ses devoirs. Lily Rose, dépêche-toi. Allez viens. J'espère qu'elle va pas rebouger d'un coup comme ça, parce que sinon ça va trop faire flipper Lily Rose. Lily Rose, vite dépêche-toi. Je dois te dire un truc là. Oui. Allez dépêche-toi. Tu vois la poupée là que Massi et Papa ils nous ont envoyée? Oui. Elle arrête pas de bouger. Comment ça, elle arrête pas? Il y a ma caméra de surveillance qui l'a filmé en train de bouger là pendant que je faisais le montage. Ouais, c'est bizarre tout ça, mais t'es sûr que c'est pas toi qui as halluciné comme d'habitude? Non, non, mais c'est pas moi qui l'ai vu, j'ai vu sur la caméra de surveillance. Ouais, mais bon, c'est un peu bizarre, moi j'y crois pas trop. On l'avait posé là quand on avait terminé la vidéo, et ouais, quand j'ai terminé le montage, je l'ai vu là, j'ai sursauté et tout. Je sais pas. Bizarre. Je sais pas comment c'est possible, franchement, je sais pas. Je sais pas, on fait quoi du coup? Bah, je sais pas, on devrait la renvoyer. Ouais bah la renvoie. Ouais mais on va la renvoyer, mais ils vont en faire quoi? De toute façon c'est prévu, on va la renvoyer à Massilia et Papa, parce qu'il est hors de question que moi, aussi, que moi je garde cette poupée, ou on va l'acheter à la poubelle, je sais pas, il faut. Bah non, parce que tu sais bien, toutes les poupées qu'on a eues, chaque fois ils se téléportent à nous quand on les met quelque part. Ouais bah ouais, si on les jette à la poubelle et qu'après elle nous poursuit, franchement, ouais. je sais pas si c'est très malin de faire ça. Bon, en tout cas il faut trouver une solution, parce que là le problème les amis c'est qu'on va devoir aller dormir dans 2-3 heures, et moi j'ai pas envie de la laisser ici toute seule dans notre maison, quoi. T'imagines si pendant qu'on dort elle commence à bouger un peu partout, des trucs comme ouais, ça va être bizarre, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est qu'une poupée. Ouais mais c'est qu'une poupée, mais elle est nouvelle, on sait pas de quoi elle est capable, parce que t'as très bien vu ce qu'elle a fait à Massilia. Oui, j'ai vu. Elle commence à leur parler, à dire des trucs. Bah oui, parce que cette poupée parle. Bon, nous, on l'a pas trop entendu parler, quoi. Elle est timide. Ouais, bah je sais pas si elle est timide, mais elle est surtout trop bizarre, quoi. C'est vraiment une poupée en porcelaine. Ouais. Regardez, elle a plein de terre sur elle. En fait, je pense pas que c'est de la terre, c'est juste que sa peau elle est partie. Tu penses que c'est pas de la terre? Ouais. Là, franchement je sais pas ce que c'est. J'ai pas trop envie d'enquêter sur cette poupée. Donc on va appeler Peppa Pink, on espère qu'il aura des indices ou qu'il a vu quelque chose ou entendu quelque chose et qu'il pourra nous débarrasser de cette poupée. Ouais. Peppa Pink! Oui. Viens, dépêche-toi là. Qu'est-ce qui se passe? On a quelque chose à te dire de très important. Ouais. Allez vite. Ouais. Tu faisais quoi là? En train de lire. En train de lire encore? Ouais bah. Non mais toi t'apprends quoi là? T'apprends des formules magiques? J'apprends l'anglais en fait. J'apprends. Ouais vas-y, fais une phrase en anglais là. Do you speak English? Ok bon, t'apprends pas l'anglais. Alors. My name non mais bref, on s'en fiche de ça. Là on a un problème.
Tu vois la poupée là. Ah bah là oui, on a fait une vidéo sur elle aujourd'hui. Bah c'est la poupée que... ouais, qui est sortie, qui va sortir sur Pinkly Vidéo. Ah si, elle peut pas. Ouais, il nous a envoyé. Et là j'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu qu'elle avait bougé. Faut pas que t'aies peur. Ouais, il faut pas que t'aies peur. Elle a bougé, bon, elle est heureuse, elle a fait rire, elle a plus du tout peur des poupées hantées. Mais moi ça m'inquiète un peu. Elle m'intrigue un peu. Elle est intrigante, mais du coup on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bougé toute seule. Moi j'ai pas vu. Je te dis. Je te dis pas que tu l'as vu. Bouger. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui l'ai vu bouger. Elle était là-bas, elle s'est posée là. Je l'ai vu même sur l'ordinateur. L'ordinateur a filmé là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a disparu dans mes mains. Comment ça, elle a disparu dans tes mains? Reviens. Non mais c'est pas possible. Pourtant, attends. Lirose, reviens. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais la mettre dans le couloir et elle a disparu dans mes mains. Comme ça, il y a eu de la fumée. Elle a disparu dans tes mains. Quand t'es partie de la pièce, elle a disparu dans tes mains. Comment ça se fait? Il y a eu un bruit. Il y a eu de la fumée. Les amis, peut-être que vous me croyez pas parce que vous m'avez pas vu, mais elle a vraiment disparu. C'est trop bizarre. Comment ça se fait? Il y a eu un nuage de fumée qui s'est produit ou? Oui. Non, mais c'est trop étrange. C'est bizarre ça. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'était ça? Coucou. T'as entendu ce qu'il y a? N'importe quoi. Je rigole. Non, attends. Là, plus sérieusement, vous l'avez entendu aussi. T'as entendu ce rire démoniaque? Ouais, non, mais je sais pas si c'est un rire démoniaque. On dirait un rire de fête foraine ou je sais pas ce que c'est là. Lirose, reste avec nous là. Ouais. Pars pas. Attends, ça venait de par là. Ouais, mais c'est où? C'est peut-être la poupée. C'est ça, on la voit plus, mais peut-être qu'elle est devenue transparente. Peut-être que c'est devenu un fantôme. Mais oui! Mais c'est un peu. Non, mais on en a besoin parce que on doit s'en débarrasser. On doit la renvoyer à Massilia et papa là, ou la jeter. Ça veut dire qu'elle est devenue invisible et qu'elle se balade peut-être. Elle est peut-être avec nous alors. Ouais, non, mais je sais pas moi ce qu'elle est devenue. Je veux pas savoir là. Il faut qu'on s'en débarrasse. Hein. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est toi qui lui as donné un coup de pied. Non, tu m'as donné un coup de pied ou quoi? Non, mais t'as une crampe, c'est tout. Bah non, j'ai eu un coup de pied. Arrête! T'as une crampe, c'est tout. Non, je rigole. Mais pas semblant. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est toi, Lirose. C'est toi, Lirose, qui fait ce bruit-là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, mais c'est toi! Non, montre, c'est pas moi. Montre, qu'est-ce que t'as dans la poche là? Qu'est-ce que. Montre. C'est un gadget. C'est toi qui fais ces bruits là? Bah ouais, c'était moi qui faisais un bruit comme ça. Non mais moi, nous on n'est pas en train de rigoler. C'est lui qui fait des bruits depuis tout à l'heure. Moi je te dis que la poupée elle a commencé à bouger toute seule et toi tu... Je sais que c'était un prank. Mais non, c'est pas un prank, elle a vraiment bougé. Elle a vraiment bougé, ma parole. Elle a vraiment disparu dans mes mains. Va la chercher comme tu sers à rien. À mon avis tu l'as caché quelque part. Comme tu sers à rien, tu sers que à faire Quoi, des bruits. Je sers à rien. Ouais, tu sers que à faire des bruits là. Non, cherche-la. Bon, Lily Rose, si on la retrouve, on fait quoi du coup? On la jette à la poubelle, on la renvoie à Massilia. Je pense que pour l'instant on va la garder. On va la garder. Pour voir si elle fait pour pouvoir maîtriser les poupées hantées. Ce qu'on va faire les amis, c'est que on va aller dormir tranquille. Moi je vais terminer le montage, je vais poster la vidéo qui doit sortir le même jour. Et ce que je vais faire, c'est que toute la nuit je vais laisser une caméra à côté de la poupée pour voir si elle fait des choses. Et si elle fait des choses, vous le saurez, on le montrera en vidéo. Mais non, mais il cherche même pas. Non, mais il se fout de nous. Il rigole de nous. Bon, allez. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est que. Il l'a trouvé. Mais il l'a trouvé. Bah ouais. Mais elle était où? Elle était où? Elle était montée jusqu'à l'étagère, tout en haut. Oh, c'est toi qui l'as posée là? Non. Bon, on l'a retrouvée, donc on va faire ce que j'ai dit, les amis. On va la filmer toute la nuit avec la caméra qui est sur l'ordinateur. On va la poser ici. En espérant que ça marche bien. Ouais, non, je vais la poser juste à côté de la caméra. Donc, suivez bien, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like pour savoir et pour regarder la vidéo quand on va la sortir de cette vidéo. Cliquez sur la vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye, les amis. Bye bye. Et tout ça, c'est pour de faux. Oui. C'était un prank qu'on vous a eu. En vrai, elle bouge pas. Ouais. C'est vrai? Oui. Je croyais vraiment qu'elle bougeait, qu'elle disparaissait et qu'elle faisait peur, quoi. Ouais.